la compagnie de l'ingénierie de l'électricité et du gaz, CEGSPA, un leader de renommée mondiale qui assure l'ingénierie et la réalisation des projets énergétiques dans tous leurs aspects, et ce depuis le lancement des appels d'offres des projets jusqu'à leur mise en service. Un défi majeur et une mission assurée par ses 1950 collaborateurs. Constitué d'équipes pluridisciplinaires et doté d'une compétence avérée, ponctuée par des formations en relation directe avec le métier régissant l'ingénierie, créant ainsi un savoir-faire et une intelligence algérienne capable de mener des projets de grande envergure et complexes à l'échelle nationale, et ce dans les meilleures conditions techniques de qualité, de sécurité et de délai de réalisation. En application des décisions d'équipement émanant des maîtres d'ouvrage, la CEG exécute les programmes de développement des filiales régis par un travail de conception, des études générales et des études de génie civil et des études mécaniques et électriques, ainsi qu'une conduite des projets associée à un contrôle rigoureux des travaux et à l'intégration des entreprises nationales dans la réalisation des différentes phases de projet, en se référant aux règles de l'art, aux procédures de travail et aux normes en vigueur, au code des marchés, au respect de l'éthique en matière de gestion des investissements et des commandes et des contrats clients découlants. Dans le même sillage et dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de Sonalgaz en matière d'investissement, en date du 1er janvier 2017, la CEG a connu la fusion-absorption d'une autre filiale de Sonalgaz, en l'occurrence la Société Comptoir Algérien du Matériel Électrique et Gazier, chargée des approvisionnements et de la revente des équipements électriques et gaziers. La Direction Ingénierie Gaz KDG, une structure opérationnelle qui assure principalement la maîtrise d'œuvre des projets d'études et de réalisation des ouvrages du réseau transport gaz. Avec une politique à court et à moyen terme, la KDG a pu atteindre des résultats concrets au niveau du réseau transport gaz, qui passe de 6656 km de réseau transport gaz en 2006 à plus de 20 689 km de canalisation à la fin de l'année 2018, avec un taux de desserte qui dépasse les 89%. Outre ces chiffres records, la direction de l'ingénierie gaz a enregistré durant cette dernière décennie la réalisation d'un méga projet, en l'occurrence la rocade gazière Est-Ouest, GREO, reliant les wilayas du nord de Khanchla à Sidi Bel Abbès. Ce grand projet a permis de hisser le taux de desserte en gaz à 58% et mettre en fonction plus de 1400 ouvrages transport gaz et l'exploitation de plus de 14 000 km de réseau. La Direction Ingénierie Moyen de Production KDM. La Direction Ingénierie Moyen de Production est chargée d'assurer la maîtrise d'œuvre des projets d'études et de réalisation de moyens de production d'électricité répondant aux meilleures conditions techniques et économiques. Des progrès significatifs ont été enregistrés pendant ces dernières années par KDM, notamment dans la réalisation de plusieurs centrales électriques pour le compte des sociétés du groupe Sonalgaz, en l'occurrence SPE et SKTM, ainsi que pour le compte des sociétés à prise de participation, la réalisation des projets inscrits dans le programme 4306MW. La particularité de ce programme est la rédaction et l'élaboration d'un nouveau cahier de charges pour la réalisation, pour la première fois, d'une centrale électrique en cycle combiné à réfrigération SEJ en Algérie, à Ain Ernet dans la wilaya de Sdeif. En effet, pour la première fois en Algérie, une centrale en cycle combiné a été réalisée à l'intérieur du pays. Les centrales en cycle combiné réalisées auparavant, à savoir celles de Hadjret Nos, de Terga, de Koudiet Draouch, sont implantées sur des sites côtiers. Ces centrales utilisent l'eau de mer pour le refroidissement. La technologie des condensateurs refroidis par air utilisée à Ain Ernet ne suscite pas d'eau pour condenser le fluide de traitement. Cette technologie respectueuse de l'environnement n'implique aucun déchargement d'eau chaude et nécessite peu de maintenance. La Direction Ingénierie Réseau Haute Tension KDL, Linepost.
Cette direction est chargée de la maîtrise d'œuvre du plan de développement de l'infrastructure réseau du transport de l'électricité. La nouvelle stratégie du groupe Sonelgaz a permis à KDL de passer d'une réalisation clé en main à une réalisation par lotissement et acquisition d'équipements électriques par moyens propres, en garantissant le plus haut niveau de standardisation possible dans un ensemble fonctionnel complet. Dans ce sillage, KDL a pu enregistrer des résultats significatifs à compter de l'exercice 2009. À ce titre, le réseau de transport de l'électricité comptabilise la mise en service de 433 ouvrages post-tension et nature d'ouvrage confondu, et le raccordement de 328 ouvrages lignes tout-tension et nature d'ouvrage confondu, totalisant une longueur de 10 236 km. Et afin de répondre à une augmentation de la consommation et prévenir d'éventuelles perturbations, il a été nécessaire de passer au palier de 400 kV pour plus d'efficience et moins de pertes. La direction ingénierie télécommunications KDT, chargée de la maîtrise d'œuvre du plan de développement des infrastructures de télécommunications. La direction télécommunications a comme objectif la construction d'infrastructures de télécommunications et de réhabilitation d'ouvrages de télécommunications et de fourniture de prestations de services. Durant ces dernières années, KDT a installé plus de 250 km de câbles en fibre optique souterrain et 4400 km de câbles en fibre optique en aérien, et plus de 146 sites interconnectés au réseau de transmission par fibre optique. En assurant la réussite de nombreux méga-projets stratégiques, la compagnie de l'ingénierie offre un large éventail de savoir-faire et une ingénierie de classe mondiale. Aujourd'hui, la CEG participe au développement de projets d'envergure. Pour chacune de ses missions, elle propose une gamme complète de services d'ingénierie. Capitalisant sur son savoir-faire, la CEG poursuit sa stratégie de développement en Algérie et à l'international. Afin d'assurer un développement en Afrique, un continent au fort potentiel énergétique. L'ingénierie, un métier de compétences et de projets qui se concrétisent.